Hey, salut! Excusez-moi, comment ça va? La forme? La forme, la forme, la pêche? Ah, ça va commencer! On est là pour cette troisième game, bim! J'envoie tout de suite le truc. Cette troisième game de PCW, donc qui oppose les Sonamen au Snail. Quand, dès que j'ai une petite seconde, je vous décrirai les chiffres en haut. On est à 2-0 pour les Sona qui ont tout gagné là sur. Oula, ça, dame, ce qui a été vu directement là, les Snails donc, qui ont commencé Alien, qui ont tout perdu sur Summit, réception, Summit tout court d'ailleurs. Et là, donc, on joue sur Tram, donc 2-0 pour l'instant pour les Sonics commençant. Marines, qu'on fait tout de suite un split 3-2, je dirais. Il y en a un qui est à la base pour construire apparemment. Dame, ce qui attend dans la ventilation, qui fait un peu de bruit pour divertir. Voilà, hop, 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 je suis là, bou, 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 tu peux pas avancer. Élévateur pour l'instant avec Kingo. Qui fait la pression, Eagle Eye et Ray qui passent par derrière, qui vont être peut-être vus là. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font? Fast Shotgun comme tout à l'heure. Donc le Fast SG qui est fait par les Sona, Eagle Eye qui va voir ça tout de suite. Il y a un SG qui part il a été directement Tain, il s'est fait choper. Et ça croque pas les RT pour les faire back. Hein. Ça. Oh, malheureusement, j'ai pas vu, mais les Skulls qui se sont fait déchirer ici. Et ça va pousser ici par via Vald et Tain, là, qui vont attaquer, je pense, directement à plateforme avec un SG et une LMG. C'est plutôt pas mal comme push. Le fast fusil à pompe. Oh, Eagle Eye qui se fait choper, c'est dommage. Le fast fusil à pompe. Oh, ça va être vu. Le fusil à pompe qui est spoté du coup. Vald qui va se faire déchirer, qui aura pas le temps de faire de kill. Le SG qui est perdu. Un alien au tapis seulement. Ils vont foncer sur élévateur transformation. Ray qui a pris un peu de dégâts. Oui qui tire sur Blame. Blame qui prend les dégâts, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ray qui arrive mais qui a pris pas mal de dégâts, qui va probablement mourir. Et Lama qui est encore en vie. Lama qui prend quelques dégâts, mais ça va pas être suffisant. Je fais un petit Leipa qui pousse ici. Ça va être défendu, je pense, par Kingyo. Oh dommage, bien joué Leipa qui a récupéré le SG en fait de son pote. J'en ai pour. Non, il y a toujours de l'action. J'hésite à pouvoir écrire le nom des teams. Oh là là, c'est bien joué ça. Le SG qui fait tellement mal. Hein. Le SG qui a toujours pas été perdu. Ça, c'est vraiment bien. On en a qu'un seul qui a été acheté, j'ai l'impression. Il le rend. Il l'a reposé. Ah, il le rend à Tain. Tain qui a le SG. Tain qui a un très très bon joueur. Ça pourrait faire très très mal. Les Sonamen qui sont pas la moitié d'un imbécile. Non, ils sont vraiment très très malins sur cette action. Blame qui prend très très cher avec son Gorge qui va malheureusement mourir. Qui a posé ses Hydras et ses Clocks, cela dit. Donc il a fait son taf. Il peut revenir en Skull pour plus de mobilité. C'est pas plus mal. Oh, ça va, les aliens qui peuvent pas attaquer. Hein. Voilà. Les Clocks qui prennent cher. Ils sont sur double front là. Ils sont sur Mezza et sur Nord Tunnel en même temps. C'est pas évident. Les Hydras qui ont été clear sur Mezzanine. Eagle Eye qui élimine. Enfin, oui. Et qui va pouvoir aller défendre Mezza avec ses potes. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Blame tout qui arrive. Allez, ça passe par le côté. Ça va les contourner. Ils ont pas pété les. Ils pètent pas les 6 par contre. C'est dommage les Sona. Je pense que ça leur serait salvateur parce que il a laissé prendre des dégâts, ça y est, le premier 6 qui est tombé. Il voit peut-être pas celui qui est près du. Ah si, ça y est. Voilà, Lama qui pète le 6, c'est bien vu. Hub, pour l'instant là, ça a été intercepté, ça va repousser les Sona qui poussent en 2-2-1. Et ça marche très 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 bien pour l'instant. Ray qui a sorti son lurk, ça y est, il va commencer à poncer. Lama qui prend pas mal de dégâts, qui s'est fait mettre pack, mais ça va pas. Ça va suffire, je veux dire, mais. Du coup, le lurk ça ne va pas suffire. Et pendant ce temps-là, il faut défendre ici. Sur plateforme, il ne faut pas la perdre. Il n'y a plus rien à défendre sur mezzanine. Effectivement, du coup, on peut la laisser. Maintenant, il faut défendre serveur. Allez, c'est parti. Le boss qui se rend à serveur. Il a pris un peu de dégâts. Oh, et le problème, c'est qu'avec le SG. Oh là là là. Oh putain, ma souris qui était coincée. Je suis désolé. Ça a très bien clear les Sona qui sont très très forts. J'en profite pour 2 secondes. J'écris juste les teams. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Hop, c'est parti. Et Server Room qui va se faire clear au final. Voilà. Allez, Lama et Tain qui éliminent l'ART. On est à 2 harvesters de tomber pour les Sona contre. Ouah, ça y est, finalement, ça va être clear. Finalement, ça va être clear alors qu'ils sont en train de recharger. On a 0 RT détruite et 2 harvesters tombés. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pour les Sonamen qui se mettent très, très bien en ce début de partie. Les Snails qui vont devoir redoubler d'efficacité. Ça rentre dans la main base. La Warehouse qui est sous le feu des Sona. Rios qui sort, qui heal un petit peu son pote. Et ça va être défendu, je penserais. Voilà, qui va éliminer le Marines. Je pense que le fait de sortir un early air comme ça ne peut qu'aider les Snails à reprendre du contrôle. Parce que là, c'est vrai que 2 harvesters ça coûte 2 x 12. Hein. Là, il peut en reposer qu'un seul. Il faut 14 de res pour 24 de res, pardon, pour poser 2 harvesters. Savoir qu'il va probablement être drop d'ici peu, à moins que ce soit hors processing.
Ce sera serveur. En tout cas, les 6 qui n'ont pas été détruits, du coup, on garde la position. Kingyo qui attend sur Tain là, qui est tout seul. Kingyo qui arrive par au-dessus. Tain, ouh, Tain qui n'aura pas eu le temps de réagir, qui n'aura pas de SG. On a toujours. Oh, on a 3 shotguns là du côté des. Lama qui perd son SG. Il faut le défendre ce shotgun. Il faut pas qu'il le récupère. Oui, qui va le recall probablement. Et qui peut pas s'avancer. Là, c'est un shotgun, c'est un shotgun. Il recule, voilà, il recule, il le ponce. Ouh, le pistolet qui a été sorti par oui. Et oui, qui se fait pas mal poncer là, mine de rien. Il a plus beaucoup de points de vie. Il demande des medpacks. Le SG qui a pas été recall ici. Le G qui va être recall. Hop là, voilà. Donc quand vous faites ça, en fait, vous faites un reset du moment où il va disparaître. Hein. Les G qui peuvent pas rester infiniment. Et Tain qui va pouvoir récupérer son shotgun. Du coup, pas trop de pertes, ça va. Pendant ce temps-là, sur hors processing, on a défendu la RT qui avait pas été posée, l'Harvester, pardon. Toujours pas de RT détruite, on n'a pas de petit skull. Ah, je dis ça, mais il y a Dams là, le petit coquin qui passe par derrière, il commence à attaquer les RT par derrière. Allez, Tain qui va se faire choper, qui perd son SG. Oui, aussi, c'est SG là, par contre, pour aller chercher, va falloir courir beaucoup plus. Mezzanine, ça avance pendant ce temps-là. Lama et Leipa qui ont un SG à deux. C'est vu par le Drifter qui fait un petit tour. Hop, un deuxième petit tour pour les divertir. Ça hésite à y aller. Blame et Ray. Ray qui a pris beaucoup de dégâts, Ray qui peut pas se permettre d'y aller en fait. Blame qui a pris un petit shoot et tout. Ray il ponce, mais c'est tout. Lama qui sur deux coups de croc pourrait mourir, il s'en prend un seul, mais il est medpack par le commandeur Marines qui a 5 RT, c'est pas normal, il y a beaucoup trop de RT, Dams s'est fait choper en attendant, j'ai l'impression, pendant son arras de ressources là, qui a pas réussi à péter une seule RT, c'est pas évident Eagle Eye qui va éliminer Lama, ça y est, il reste plus que l'Aipa, mais c'est celui qui a le SG, donc forcément c'est un peu plus délicat, il se fait poncer, il se fait poncer, bon ça là ça pose de la PG à Mezzanine, ils sont très très bien les Marines, ils ont beaucoup de RT, ils sont bientôt à plus 2, on est à 6 minutes 30, ils sont très très bien les Sonamen, là ça va être compliqué pour les Snail, là. Il en manque 5 de reste pour avoir les fades et la PG qui est up. Ah là 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 là, et c'est vu par Ray qui tire un petit peu dessus, voilà, pour pousser en haut. Ray, Ray qui va s'en sortir, c'est bon, pas de problème. Oh, Ray qui s'en sort donc. Oh, joli clean là, la part de Kingyo qui se met au milieu et qui avec Eagle Eye, pardon, du coup c'était 2. Bon, cette phase gate qui est posée, qui est mise, et là, à la fois attaquer les RT, y a pas de... ils sont 5 RT, les Sonamen, regardez, ils ont perdu aucune RT depuis le début, ils sont en train de se faire un pognon monstre, ils se le mettent tellement bien pendant leur processing, c'est clean, pareil, leur que fafefieux. Servaroun qui va retomber, j'ai l'impression, le Gorge qui sort, la Rios qui arrive avec Blame pour attaquer Tain, le seul Marines avec une LMG, j'ai l'impression, avec Leipa. En tout cas, cet investissement de fusil à pompe en début de partie. Oh, et Mezzanine qui est attaqué par derrière, c'est très bien vu. Dommage qu'un petit drifter ne soit pas là. Ray qui va peut-être temporiser un petit peu. La PG qui va tomber, c'est très bien ça. Très très bon call de la part des Snail qui pourraient perdre toute leur RT par contre sur ça. En tout cas, plateforme. Je pense que plateforme va être détruite. Mais ça décide de continuer d'être agressif. On va péter les RT. Allez, voilà. Faut péter Mezzanine qui a pas été construite encore, mais on va la casser. Elevator commence à prendre des dégâts. On va attaquer un peu partout, c'est bien. Les RT sur serveur qui va tomber malheureusement. Le cyste qui sauvait les RT depuis tout à l'heure. Et ça resiste. Le problème, c'est que les RT coûtent cher. Bon, on a pas mal de RT côté. On a pas mal de ressources côté alien, donc ça devrait aller. C'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Oui, et Tain là qui sont en train de défendre. Ouais, j'aime bien mettre dans sa vie parce qu'il est smooth. Ouais, qui shoot le marine qui a pris cher, attention quand même, il a plus que 70 points de vie, il préfère aller rentrer à la base, il a probablement raison, perdre son lac ce serait dommage, surtout que Tain peut se faire un peu medpack à l'infini, hein. 4 RT c'est beaucoup. Mezzanine qui est reposé, mesdames qui arrive par derrière, oh mon dieu il a été medpack la mort, c'est dommage que la sans medpack il le tuait encore un croc et c'était bon, mais ça suffira pas, il va pouvoir poser la phase gate à lui tout seul là, personne va venir l'embêter. Oh, c'est scanné, il y a personne. Et ouais, observation qui se fait croquer. Kinyo qui va probablement se faire déloger par oui avant qu'il ait eu le temps de la détruire. Mais bon, il aura fait un peu de dégâts. Tain qui aura pas le temps de détruire cet harvester. Et la Mezzanine qui est reposée en même temps que Reaper. Tain qui dit lol après s'être fait tuer. Observation, Kinyo qui temporise, s'est pris un peu de dégâts à distance. Il va une balle et c'est mort. Ah, Kinyo qui temporise, pas trop mal. Bien joué, Mezzanine qui se fait tirer dessus par. Par le lurk, voilà, il la ponce, c'est pas très rapide un lurk pour détruire un bâtiment. Oh, le premier fade qui arrive, j'avais pas vu, mais Dams, Eagle Eye qui ont leur fade. Eagle Eye qui est là pour faire un peu de dégâts, c'est pas une feed gate avec un seul. Ouh, Eagle Eye, il faut qu'il fasse attention. Hop, la flash son fade quand même, Dams aussi là. Ok, c'est bon, ça passe, on est à 2 fades, bientôt 3. Kingyo qui est en train de faire le sien après être mort. La RT qui est reposée à Mezzanine, bien entendu, par les Marines qui tiennent à garder leur avantage économique. Hein. Et ça, c'est l'avantage, c'est quand vous avez beaucoup de RT, c'est que vous pouvez aider. Ouh, ça attend! Un petit shotgun! Dabs, et il se fait couper là-haut, vous avez vu Tain comment il se place bien? Il se met sur le côté, ensuite il tape le fade, puis il se met sur sa position de retraite. Oh là là, ils ont pris très très cher. Rek est là, qui va poncer Tain jusqu'à la mort. Allez, hop, tu vas perdre ton SG, mais c'est pas très grave.
Ah, les fêtes qui repartent de l'autre côté, sur plateforme. Pour défendre l'ART qui risque de tomber, ça va, c'est défendu. Et c'est bon, ils ont pu. Mais en fait, le problème de cette tactique, c'est que finalement, ils vont perdre pas mal de Perez. Mais le truc, c'est que ils ont réussi à tellement capitaliser. Logistique bien joué, ça c'est Blame qui joue maintenant le rôle de la fouine. Qui part péter des. Allez, la phase gate sur Mezzaline qui est sous pression, qui part partir des RT, j'allais dire, bien sûr, de la part de Blame, vous l'aurez tous compris. Eagle Eye qui tue encore un Marine. Oh, Eagle Eye, mon dieu, non! Eagle Eye qui perd son fade. Oh là là, qui est resté un poil trop longtemps. Il a fait le kill, mais du coup, il a laissé le temps aux Marines d'arriver. Et ça va être dur pour les Snails. Pour les Snails, 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 qui ont encore deux fades en jeu, donc rien n'est perdu. Allez, serveur, le 6 qui tombe. Oh là là, il est dur ce side alien hein, depuis qu'ils l'ont changé quand même, quand tes équipes sont aussi fortes que ça. Les Sonamin qui visent très très bien leur side Marines qui est leur meilleur side hein, concrètement, ils le jouent très 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 bien. Et c'est vrai que c'est compliqué là, c'est compliqué. Je vous rappelle qu'on est quand même en PCW, que c'est donc de l'entraînement, du practice clan war. Donc rien en jeu. Le vrai enjeu ce sera à Brisbane. Non, c'est ça, je sais plus. Bref, en Angleterre, en fin août, là, la finale de l'European Open qui jouera sur scène, qui opposera donc les Snails au Sonamen, ces deux équipes d'Anthology. Oh, Ray qui prend un peu cher, attention, c'est bon, il s'enfuit, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, Mezzanine, ça repousse encore, il pourrait presque poser Server Room, les Marines, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de deuxième hive. Les Fates qui arrivent, ça n'a pas trop donné la tête, j'ai l'impression, les aliens là. Ils ont pété l'élévateur, ils ont mis un peu les Marines au compte de du RT, mais les Marines ils prennent les RT près de la base alien quoi. Allez, ça attaque la PG. Kingyo qui a pris beaucoup de dégâts, il peut pas rester. Oh, Kingyo qui se prend deux shoots fatales de la part de Tain. Oh là là, et Rek qui pourrait perdre son lurk également. Cette foulée, oh c'est dur, les Snails qui prennent tellement cher. Les Sonas qui sont en forme ce soir, c'est dommage pour eux de ne pas l'avoir été un peu plus tôt. C'est vrai que du coup les Snails les ont chopés et là du coup c'est le GG lancé par les Snails qui n'ont pas envie de faire durer la game trop longtemps. On les comprend. Victoire des Sonas sur cette partie. C'était quand même très très serré en début de partie quoi. C'était vraiment chaud les Sonas qui sont très très agressifs et ouais qu'on tout de suite rentabilisé en fait le fast shoot gun et donc un shoot gun dans chaque équipe d'assaut finalement et voilà quoi alors qu'on m'appelle et du coup je vais mettre fin à ce stream et je vous retrouve dans pas longtemps pour la prochaine game. Donc on est à 3-0 pour les Sonas. Voilà, j'actualise le score sur le truc. Allez, à bientôt, bisous.